Vous voyez que le jour est gentiment en train de se lever. 3, 2, 1, go! À 7h du matin, il faisait encore nuit quand le départ de la Diabolique a été donné. 98 équipes se sont élancées pour 3000 mètres de dénivelé, un parcours bien tracé dans un décor à couper le souffle. Il passe d'abord par le col du Pilon pour rejoindre ensuite le col de la Palette. C'est super beau. Après une descente, les coureurs sont partis à l'assaut du glacier 3000 vers la quille du Diable, avant d'arriver au sommet des Diablerets à 3200 mètres d'altitude. Ce sommet sera suivi d'une descente terrible de plus de 2000 mètres. À l'arrivée, on retrouve les équipes qui se sont illustrées la veille, à savoir Alexander Hugues et Didier Moret, qui auront avalé la boucle en moins de 3h30, un temps tout simplement époustouflant. Elle est digne des autres grandes épreuves, très bien organisée. Et puis, il y avait vraiment un gros travail. Hein. Tout ce qu'ils ont taillé dans la neige pour faire une trace. Je crois qu'il y avait passé 600 mètres de corde fixe sur laquelle on devait s'assurer. C'était vraiment un gros boulot. Les couloirs aussi très bien tracés. Donc vraiment beaucoup de travail. Hein. C'est impressionnant. On notera aussi le très bon temps de la première féminine avec 3h52. Il s'agit bien sûr de Séverine Poncombe, la marraine de l'épreuve. C'est vraiment une course qu'on attendait vraiment à fond. Et puis alors, c'était vraiment extraordinaire, c'était magnifique. J'étais heureuse de courir une fois avec mon mari. C'est la première fois qu'on court ensemble. Donc il était gentil, c'est bien. Une chose est sûre, cette première Diableret 3D ne sera pas une dernière. Tout le monde ici espère accueillir un jour une Coupe du Monde de ski alpinisme.